Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'huile essentielle de cannelle en olfaction. Parce qu'évidemment, la cannelle pour la peau, elle est quand même assez forte, un peu brûlante. Donc, je l'ai senti, je l'ai diffusé et. Voilà, la cannelle en fait, elle aide quand on est dans les moments de passage, de transformation comme je suis moi, parce que elle permet en fait de se libérer de toutes les. Il fait hyper froid, excusez-moi, mais là j'ai de l'eau jusqu'au ventre et elle est hyper froide. En fait, hier il y a eu de la neige. Là, la voiture était complètement gelée et du coup l'eau elle est gelée, elle a baissé là. C'est froid. Voilà. Allez, go, c'est parti. Pas de chichi. Bon, donc je disais que la cannelle, elle a des effets pour nous, pour faire remonter à nous les attitudes que nous avons et qui nous font ressentir que nous sommes esclaves. Et donc, elle transforme toutes ces sensations. De retenue, d'esclavage et tout ça en abondance et en positif. Et donc c'est vraiment une huile idéale lors des moments, des périodes de transformation, de transmutation. Alors voilà, la cannelle, bah vous avez différentes cannelles, il y a aussi la cannelle de Ceylan. Et vous pouvez l'utiliser en diffusion ou mettre une petite goutte sur un mouchoir et respirer. Enfin voilà. Donc, je suis en période, vous l'aurez compris, de transformation. Et aujourd'hui, il y a plein de canards. Bah, quand je serai arrivée au petit rocher là, je vais vous faire un tour d'horizon pour que vous puissiez voir. Peut-être que vous verrez les montagnes enneigées là, tout près. Voilà, j'arrive au rocher. Moi, je prends le plus haut. Et voilà. Alors. Je ne sais pas si vous voyez les montagnes derrière avec la neige. Si, hein. Et là, il y a Gabi. Bonjour. Et voilà. Voilà, ben, il y a des canards aussi. Ah, ben, ils s'envolent. Ils sont en train. Ah, ben, c'est à cause du chien. Ils sont en train de voler à cause du chien. Ok. Ah, celle-là, elle est encore plus haute. Ce rocher-là, il est encore plus haut. Moi, je la trouve particulièrement froide. Elle s'est Elle froid. refroidie par Ah bah rapport avec aux la autres. neige, voilà. Avec la neige, ouais, de hier. Par rapport aux autres jours, elle s'est nettement refroidie. Ah, c'est ça. Quand on est dans un tout petit lac, en fait, ben, les températures baissent beaucoup plus rapidement. Et ce lac est alimenté par une source. Donc de toute façon, ce lac, il est assez froid, de manière générale, en toute saison. Et ils ont fait, c'est pas un lac naturel, hein, mais ils ont fait, enfin la source, elle arrive par ce jet d'eau, ce fameux jet d'eau là.
On a le chien aussi qui se baigne aujourd'hui. Comme il fait beau, il aime pas trop y aller, hein. Quand il fait froid comme ça, il fait pas froid dehors parce qu'il y a du soleil, mais il aime pas trop y aller. Ce matin, il y a un camping-car, il y a des gens en camping-car. Voilà. Qui sont venus passer la nuit ici. Bon, je vais écouter les amis. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.